Donc, bienvenue à ma conférence. Bonjour à tous. Je m'appelle Nicolas Dauphin-Moulin. Je travaille aujourd'hui en tant que BizDev chez CodeTroopers. Donc, CodeTroopers, c'est une agence de développeurs à taille humaine basée à Tours et on recrute, comme tout le monde un peu ici. Alors, venez nous voir au stand, ça sera sympa, ça nous fera plaisir. Pour l'intérêt du talk, il faut savoir qu'avant d'atterrir chez CodeTroopers, j'ai cofondé plusieurs entreprises et assos. Et aujourd'hui, je continue d'accompagner des étudiants qui veulent se lancer dans la création de projets numériques, entre autres. Donc, il s'agit de mon premier talk. Donc, je suis vraiment preneur de vos remarques via l'open feedback qui a été mis en place. Je vous ai mis le lien à la fin. Donc aujourd'hui, je suis venu vous parler de vulgarisation. Alors pourquoi est-ce que j'avais envie de vous parler de ce sujet? Parce que je suis passé par là quand j'ai voulu créer mes boîtes, parce que j'avais aucune connaissance en informatique, j'en ai pas beaucoup plus non plus aujourd'hui, hein, c'est un talk alien, mais à l'époque j'avais vraiment rien et parce que j'aurais aimé qu'on m'explique certaines choses à cette époque. Et du coup, aujourd'hui, dans mon quotidien, je dois régulièrement échanger avec des gens qui n'ont aucune idée des étapes par lesquelles il faut passer, ou du prix que ça va coûter, ou encore du travail que ça représente. Et parfois, c'est problématique. Je vous ai listé ici quelques phrases que j'ai vraiment déjà entendues, et je suis sûr que vous en avez aussi entendu certaines qui peuvent ressembler à ça. Donc, je voudrais créer une application avec Bluetooth, géoloc, message privé, un mix entre BlaBlaCar et Google. Est-ce que c'est possible par un devis? Voilà, c'est un peu plus compliqué que ça. Pourquoi il y a toujours des salariés chez Le Bon Coin et les développer maintenant l'application? Ça, c'est une citation de mon père. Donc voilà, donc c'était assez problématique et du coup, il était souvent nécessaire de réexpliquer ou d'expliquer vraiment les bases de notre métier. Et par notre métier, j'entends développeur d'application au sens large. Encore une fois, je suis pas développeur, donc je vais vraiment parler du développement d'application. Et donc, j'essaye de vulgariser depuis un certain temps ce qu'on fait en comparant la création d'entreprise, la création d'une application, avec la création d'un potager. J'espère que vous aviez compris la blague en venant au talk, parce que sinon, c'est un peu gênant de faire expliquer les blagues et ça va être long. Si vous n'avez pas la main verte, pas de panique, partez pas en courant, ça va bien se passer. Rien à voir avec la couleur ch joliment choisie par TNT, mais pas de panique, restez avec nous, ça va aller. Du coup, on vient vous voir pour vous parler d'une idée d'application. Ok, super. Pourquoi faire? Quel est le besoin? Quelles vont être les fonctionnalités? Et donc, vous, il faut que vous expliquiez que créer une appli, ça prend du temps, que c'est des étapes, que c'est long. Et c'est là que la vulgarisation va rentrer en jeu. Donc, il faut expliquer que la première étape avant de créer une appli, ça va être d'identifier un besoin. Tu veux manger quoi à la fin? L'idée, elle est là. Bonne nouvelle, vous allez pouvoir avancer ensemble. Quel potager tu veux construire? Pourquoi faire? Tu veux manger quoi? Quelle est l'ambition du projet? Tu veux vendre tes légumes ou les garder pour toi, etc. Il y a de grandes chances que si vous êtes en train d'expliquer votre métier à votre neveu, ça soit utile parce qu'il ne sait pas forcément ce que c'est. Si vous avez un prospect en face de vous, il y a de grandes chances qu'il ait déjà l'idée et donc vous allez pouvoir avancer. Et donc, petit à petit, vous allez préciser le besoin. Une fois le besoin identifié, vous allez pouvoir expliquer que maintenant, l'étape, ça consiste à établir un cahier des charges ou des maquettes. C'est pas toujours vrai, je sais, je suis en train de faire des raccourcis juste pour la vulgarisation, je suis pas là pour challenger les méthodes. Donc là, le cahier des charges doit décrire toutes les fonctionnalités souhaitées, les objectifs. C'est exactement la même chose que pour un potager. Donc il faut prendre le temps de lister ce qu'on veut, faire sa liste de courses, prioriser, faire des plans, etc. Pour s'aider à cette étape-là, ça peut être intéressant aussi de partager des exemples de potagers qu'on aime bien. Ça peut aider à préciser le cahier des charges. Et du coup, ensemble, grâce aux conseils que les différents professionnels vont pouvoir fournir, on va réussir à définir le scope. C'est aussi l'étape où on design l'interface, on dessine les plans. Et donc à cette étape-là, il faut expliquer que le potager, il n'est pas encore commencé. Et que déjà, il y a différents intervenants qui sont rentrés en compte et qui sont obligatoires.
Bah, il y a celui qui va faire le potager, il y a celui qui a envie de le faire, et il y a celui qui le dessine. Donc là, votre interlocuteur, bah, il commence à comprendre que c'est pas si simple que ça, que le processus, il est peut-être un petit peu long, qu'il y a des étapes qu'il n'avait pas imaginées, mais il n'a pas encore tout vu. Donc maintenant, il faut commencer à construire vraiment le potager. Première phase, on va préparer le terrain. C'est la conception de la structure générale d'une application. Donc là, vous pouvez potentiellement expliquer un petit peu le rôle de l'archi. Quel outil ou quelle techno est-ce qu'on va utiliser? Est-ce qu'on va prendre la pelle ou la pelleteuse? Est-ce qu'on met la charrue en les bœufs, etc. De quoi est-ce qu'on a besoin? À quel coût? Est-ce qu'on va faire tout en microservice ou est-ce qu'on fait tout from scratch? Est-ce qu'on fait des graines ou des plants? Voilà, il faut vraiment essayer de comparer comme ça. À ce moment-là, il faut expliquer que il faut développer l'application avec les bons outils, tout simplement. Quelle méthode aussi on va utiliser? Est-ce qu'on veut des valeurs sûres bien documentées ou est-ce qu'on veut tester de nouvelles méthodes? Est-ce que c'est la méthode du grand-père ou la permaculture? Est-ce qu'on fait de l'agilité ou du forfait? Encore une fois, là, c'est pour vulgariser, hein, je suis pas là pour prendre parti et vous dire ce qui est bien à faire, vous le savez bien mieux que moi. La plupart du temps, tout ça a plus ou moins été défini en même temps que les premiers échanges. La plupart du temps, même pour certains d'entre vous, ça permet de faire un go ou un no-go sur les projets, mais c'est pour l'explication. Et donc une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à une phase un peu frustrante, frustrante surtout pour votre interlocuteur. Là, en gros, il est essentiel d'expliquer cette phase parce que c'est la plus compliquée à accepter pour un novice. C'est la plus compliquée à comprendre. Pourquoi? Parce que ça revient à semer, à planter, à faire des choses qui ne se voient pas forcément. Donc c'est plutôt le bac, vous l'avez compris. Et donc là, il faut expliquer à votre interlocuteur que pendant un certain temps, ben, vous n'aurez rien à leur montrer. Que du travail sera fait, mais qu'ils auront peut-être l'impression que ça n'avance pas. On fait des choses qu'on ne peut pas montrer, mais qui sont essentielles au projet. C'est en train de pousser, mais grosso modo, sous la terre. C'est en train de pousser en dessous. Donc là, il faut expliquer bah, qu'il faut être patient, mais cette phase, elle n'est pas éternelle, et rapidement quand même, on va être capable de leur montrer des choses. Donc c'est le moment où les choses deviennent concrètes, on laisse pousser, on voit des choses apparaître, on traite, on peut même faire un petit peu de beau. Là, vous me voyez venir, c'est le front. C'est aussi le meilleur moment pour expliquer à votre oncle, à votre tante, que développer une application, bah, ça prend du temps. Et que parfois tout se passe pas comme prévu. Les tuteurs qu'on utilise sont peut-être pas les bons. Une application, bah, je sais pas, le framework, il est peut-être un peu vieux. L'engrais aussi. On n'avait pas prévu la canicule. Il y a un développeur qui se casse la rate. Ce genre de choses, ça peut faire prendre du temps à des projets. Mais du coup, heureusement, les copains de l'archi avaient prévu potentiellement ces choses-là. Ils avaient préparé le terrain. Et donc, pas de panique, ça va bien se passer. C'est aussi le bon moment d'expliquer qu'on ne peut pas forcément faire de copier-coller sur une appli qui nous plaît ou une fonctionnalité qu'on a vue ailleurs. Parce que si je vais chercher la tomate dans le potager du voisin et que je l'arrache, je ne peux pas vraiment la faire pousser dans mon potager à moi. C'est quand même la phase où vous allez pouvoir montrer des choses concrètes. Et donc, du coup, ça va énormément rassurer votre interlocuteur. Et vous allez même pouvoir commencer à faire tester des choses. Et donc du coup, on en arrive à la phase de test. Alors là, il faut faire attention à cette phase-là parce que le porteur de projet peut avoir l'impression que c'est terminé parce que vous lui mettez dans les mains une version qu'il peut tester. Et donc là, il faut essayer de le raisonner parce qu'il va découvrir que les tomates manquent de goût, que les insectes, il y en a, enfin, il y a plein d'insectes sur les courgettes. En anglais, ça doit se dire bug, donc ça va vous parler. Et du coup, il faut expliquer aussi que c'est nécessaire de répéter cette phase jusqu'à ce que le code défini bah, soit atteint. Et il faut leur dire que bah, c'est primordial pour espérer faire quelque chose de bien à la fin. Et que s'ils ne goûtent pas, s'ils ne testent pas ces légumes, bah, ça va être difficile de les améliorer. Mais à un moment donné, ben, il faut quand même vendre ou consommer ces légumes. Et donc, on va mettre l'application en ligne. On va la mettre en prod. On va commencer à essayer de les vendre. Ok, bah, du coup, par quel canal? Ça ne va pas se vendre tout seul. Il va
Donc il faut promouvoir l'application pour qu'elle soit utilisée. Il faut mettre en place des stratégies marketing et commerciales, en déplaise certains. Je vends mes légumes, bah comment? Est-ce que c'est en ligne? Est-ce que c'est en porte-à-porte? Est-ce que quelqu'un va revendre pour moi? Voilà, il faut essayer d'analyser et de prévoir toutes ces choses-là. Vous pouvez aussi expliquer que c'est que pendant ce temps-là, en tant que développeur, vous avez toujours des choses à faire. Vous allez vous assurer que le service tient toujours, que le potager n'est pas sec, qu'il n'est pas envahi d'insectes, etc. C'est aussi la phase où on va récupérer les feedbacks. Je vous en ai mis quelques-uns. Ils sont importants pour la suite, c'est le retour terrain. Est-ce que nos légumes plaisent? Est-ce qu'on a bien fait les choses, etc. Ça, c'est un vrai feedback, celui qui est là, qui est caché par ma tête. Ensuite, bah, il faut s'améliorer en continu. Donc, on prend en compte les retours terrain qu'on a eus. On analyse un nouveau concurrent qui débarque, un voisin qui copie notre potager. Il faut être vigilant, il faut faire de la veille. Vous pouvez expliquer à votre interlocuteur bah, qu'il faut corriger, améliorer, optimiser l'application ou le potager, grâce peut-être à des jours de jardinage supplémentaires, des petits lots supplémentaires. Ou au minimum qu'il faut l'entretenir. Et donc là, on introduit un petit peu de TMA. Vous pouvez aussi introduire dans cette phase-là le rôle du DevOps. Bien que votre potager pourrait être optimisé davantage, ok, je suis d'accord, le DevOps bah, peut intervenir avant sur le projet, mais c'est pour l'exemple. Et puis surtout, ce que vous devez faire comprendre absolument à votre interlocuteur, bah, c'est qu'un jour, vous êtes obligé de recommencer. Les outils et les frameworks, bah, ils sont un peu rouillés, ceux qu'on utilise. Il existe de meilleures méthodes. Le topinambour revient à la mode. On sait faire pousser de façon plus optimisée, etc. Mais pas de panique, il faut rassurer tout le monde. L'avantage, c'est qu'on a déjà travaillé ensemble. Donc on sait comment on fonctionne, on sait ce qui a marché et pas marché. Et du coup, on avancera plus vite la prochaine fois. Donc il faut essayer de rassurer surtout sur cette étape-là. Pour conclure, faites comprendre à votre interlocuteur que les étapes sont obligatoires. On ne peut pas trop en sauter, qu'un potager prend du temps, que plusieurs compétences sont nécessaires, des éléments extérieurs bah, peuvent venir perturber un petit peu le développement, que ce n'est pas du one shot qu'il faut entretenir, et il faudra certainement recommencer un jour. Soyez à l'aise aussi avec la vulgarisation que vous présentez. Celle-ci, c'est un exemple, c'est la mienne, mais je suis sûr que vous en avez d'autres qui marchent très bien. Et surtout, soyez pas surpris, une fois que vous avez gentiment expliqué votre métier à votre potager, il vous posera toujours cette question. Mais du coup, tu peux regarder pour l'imprimante qui bug. Je vous remercie et ça, c'est le lien de l'open feedback si vous avez des remarques à me faire. Merci à vous.